Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la Ligue Lorraine de Football. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter les engagements de la Coupe de France 2014-2015 dans le cas où votre club a participé cette saison à la Coupe de France 2013-2014. Nous sommes aujourd'hui sous le club de Pagny-sur-Moselle qui évolue en division d'honneur et qui a donc participé à plusieurs tours de la Coupe de France 2013-2014. La procédure est très simple et prend moins de 20 secondes, vous allez le constater par vous-même. Nous nous rendons dans le menu compétition sous l'onglet engagement. Automatiquement, la ligue ayant paramétré la Coupe de France 2014-2015, vous la retrouvez dans le tableau, dans le statut pré-engagé, dans la compétition donc senior, l'équipe de Pagny-sur-Moselle 1 pour la Coupe de France 2014-2015. Et le stade est déjà renseigné, le stade Handisport 2000. Une seule chose à faire dans votre cas, l'Avis Club, si vous souhaitez de nouveau participer à la Coupe de France, donc cette saison pour les deux premiers tours et la saison prochaine, il suffit de cliquer sur la liste déroulante, d'y cocher votre avis, soit accord, soit refus. Dans notre cas, le club de Pagny étant un club de ligue, il a l'obligation de s'engager. Donc là, la question ne se pose même pas. Et tout simplement, nous validons l'engagement. Et on remarque que la ligue va changer de couleur, que votre statut est toujours pré-engagé parce que la ligue doit valider votre engagement. La manipulation est terminée, vous êtes désormais engagé en Coupe de France 2014-2015. Voilà, c'est très simple. Nous vous remercions de votre attention et une autre vidéo vous précisera les modalités pour une équipe qui souhaite rejoindre la belle aventure de la Coupe de France et qui n'était pas engagée cette saison. Voilà, merci à tous de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service compétition de la Ligue Lorraine de football qui se fera une joie de vous répondre. À bientôt, merci.